Mademoiselle, si vous voulez bien vous taire un peu, on vous serait très reconnaissant. Ah oui. Oui. C'est que moi, je suis venue voir le spectacle. Quel spectacle? Vous ne voyez pas qu'on vous a coupé le courant? De nouveau? Oui. Mais j'ai pensé que vous avez fait exprès d'éteindre les lumières. Mais non, ce sont les restrictions. En fait, c'est quoi votre pièce? Ça parle de quoi? Ah, c'est un truc philosophique. Philosophique? Oui. Rien. Philosophique? Mais oui. Pourquoi? Rien. Juste comme ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te va pas? Une pièce de théâtre philosophique. Mais oui, regarde. Mais tout d'abord, on peut prendre Saint-Michel qui veut devenir Saint-Michel à la place de Saint-Michel. Remplaçant de Saint-Michel. Mais oui, chacun a un remplaçant. Bon, bien sûr, on peut prendre Saint-Michel qui veut devenir Saint-Michel à la place de Saint-Michel. Et pour mériter le titre de saint, il doit emmener au 21e siècle 3 ans. Et essayer de le tenir. C'est simple, il suffit de le pifier, de le détourner de ses vices. La pièce commence sur le remplacement des gens au XXIe siècle, Cyrano et Baudelaire, et où il se prépare à y emmener Roland qui vient de se faire tuer par les Sarrasins dans la bataille de... Il y a quelque chose qui me gêne. Quoi? Comment veux-tu convertir une âme au XXIe siècle? Mais justement, si l'âme arrive à résister en vice, à renoncer à la tentation du 21e siècle, alors elle est purifiée. Et elle est... Oui, je trouve ça un peu plus. Mais non, on fait agir le personnage bien comme il faut. Alors le spectacle est. Et s'ils ne veulent pas vivre, qui? Les personnages. Comment tu veux? S'il a envie de faire quelque chose d'autre. N'importe quoi. Écoute. Tu ne peux pas les contrôler. Qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, tu ne peux pas les contrôler. Écoute, le personnage n'a pas sa propre pensée. C'est toi qui lui donnes vie, c'est toi qui lui fais prononcer tes propres phrases, des mots, il n'a pas de vie autrement. Le personnage sert uniquement de moyen pour que tu transmettes ton message. Bon, écoute, si tu me sors maintenant l'histoire du message dans une œuvre d'art, je m'en vais maintenant. Je m'en fous, je m'en mets. Moi, le message, j'envoie par la poste. Mais attends, bon, voyons. En tout cas, le personnage ne peut que réagir. Bien, je vais te faire une petite démonstration. Allez. Ça. Silence, on va commencer par la première scène. On va faire sortir le personnage. C'est la bataille de... Bon. Allô. Alors là,
ça ne va pas du tout. Mais oui, je sais. Et, écoute, il faut de la musique. Comme ça, ça ne va pas du tout. Mais attends. Ta gueule. Après. Allez, on recommence. Recommence. Oui, on recommence. C'est moi, pour moi. Pour mes péchés grands et petits que j'ai commis depuis ma naissance jusqu'à ce jour où me voici abattu. Ô bon Dieu, mène mon âme, on voit les anges du ciel. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas d'argent. Qu'est-ce que tu veux? C'est le théâtre d'aujourd'hui. Allez, viens. Qu'est-ce que tu veux? Michel, oui, mais... Je serai sans Michel. Je serai plus le remplaçant. Je te fais être remplaçant. Oui, je serai sans Michel. Moi, à la place de sans Michel. Oui. Sans Michel. Sans Michel.
C'est bon? Délicieux. Mais qu'est-ce que tu me veux faire? Moi, rien, je... Professeur! Qu'est-ce que tu fais? Ici! Moi, je suis en train de cueillir de frites. Tu veux? C'est bon. Délicieux. Mais qu'est-ce que tu me fais faire? Moi, rien. Et tu ne veux pas, par hasard, prendre mon rôle à les autres... Clients! Clients! Moi, non, mais non! Au paradis, ils m'ont dit que ton même est mort au 21e siècle. Je ne crois pas. C'est stupide. On dit aussi que si je mène encore une personne au 21e siècle, je serai Saint-Michel à ta place, oui. Non. Je ne ferai ça jamais. Pour le con, je travaille. Bon, bien. Je m'en vais. Avec une cerise. Oui, oui, je ne veux rien. C'est la cabelle que tu gérerais. Et qu'il va revenir? Lève-toi, Roland de France. Allez, lève-toi, Roland. Moi? Oui, oui, toi. Oh, finalement, je vais au paradis. Oh, merci Dieu, merci Saint-Michel. Merci. D'abord, je ne suis pas Saint-Michel. Je suis sans remplaçant. Tu ne vas pas au paradis, mon cher, tu vas au 21e siècle. Mais pourquoi? Je n'ai pas mérité une place au paradis. Et qu'est-ce que c'est que le 21e siècle? Oh, ne t'inquiète pas. C'est trois. Hyper, super, bossement. Très, très, très bon. Et je serai avec toi, bien sûr. Mais mon roi, ma France. Mais qu'est-ce que tu vas fouiller? Nous sommes un âge, je pense, si tu dois, mon bébé. Voilà. Sans remplaçant. C'est moi, je suis le sang. Excusez-moi, monsieur le sang. Ne vous fâchez pas. Je viens avec vous. Bon. Roland, maintenant tu me sens copain. Appelle-moi un remplaçant, oui. Oui, oui, d'accord. Roland, toi qui es choisi parmi nombreux, toi qui n'as jamais menti, ne t'es jamais opposé à toujours célébrer le nom, toi qui le Seigneur Dieu a choisi, lève-toi, Roland de France. Lève-toi, Roland de France! Lève-toi, Roland de France! Mais je sais ça! J'ai fait ça avec Olivier! Voyons, je n'ai jamais menti, jamais reposé, à toujours célébrer le nom de Dieu! Mais seulement. Ce n'est pas Roland! Remplaçant! Mesdames et messieurs, le roi. Attends un peu. Quoi? Pas faut que je me dresse les bâtons. Attends. Je suis pas convaincue. Et pourquoi? Si tu laisses le personnage libre. Tu laisses agir de leur propre volonté. Ça pourrait aboutir à un désordre complet, on ne pourrait plus transmettre le message. Si, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi-même. Libère ta poésie, libère ta magie et tu verras, tu
tout un monde magnifique qui se développe devant tes yeux. Laisse-moi organiser la scène suivante et on va faire une comparaison. Bon, comme tu veux. Sandra! Sandra, oui. Un autre encore une fois. Encore une fois, de nouveau. Oui, annonce-roi encore une fois, de nouveau, s'il te plaît. Tout de suite. Mais tu fais de quoi vérifier pour que l'on se voit alors que l'on se voit et tout pas les questions qui est ici. Ne fâchez pas, j'ai seulement demandé si vous savez que je vais être. Mais annonce-roi encore une fois. Là, qui est un peu nerveux. Mais ouais. Mesdames et messieurs, le roi. Thank you.
Mon cher Roland, Paris. Mais où sont les chevaliers? Où est le roi? Qu'est-ce que je t'ai dit? Il n'y a pas de chevalier. Pas de roi. Tu es moulin rouge. Moulin quoi? Je ne suis pas meunier. Tu m'insultes. Moi, Roland de France. Moi qui suis choisi parmi nombreux. Je dois aller au moulin qui est rouge. Mais le moulin rouge n'est pas un moulin pour montrer du blé. C'est un lieu où on se mue, oui. Oui. Est-ce que ces gens sont chevaliers comme moi? Cyrano de Bergerac? Oh, tu as aussi une épée. J'ai cassé la mienne dans la bataille avec des sarrasins. Oui, oui, je l'ai lu, mais tu vois, je ne suis pas tout à fait comme toi. Moi, je suis poète aussi. Toi, poète, tu es comédien. Moi, je suis un vrai poète. Toi, tes poèmes sont des astres pour toute la civilisation. Tu vas voir ce que c'est qu'un exemple. Toi, avec tes nerfs, moi. Nerfs, arrêtez! 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 Attendez que je devienne Saint-Michel, oui? Et après, vous pouvez vous tuer si vous voulez. Tu vois ce qui s'est passé avec ces équipes au 21e siècle. Et qui est ce monsieur en noir? Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des alouettes. Non. Près des hirondelles. Non. Près des perroquets. Non. Près des albatros. Non. Passe l'oiseau des mers qui suivent un dolent compagnon des voyages. Le navire glissant sur les gouffres amers. Je comprends chance. Bonjour, monsieur. Vous êtes nouveau ici? Oh, oui, oui, c'est ça. Que vous avez de beaux muscles. Oh, le mignon. Regarde-le comme il est timide. Goûti, 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 goûti. Les chaussures. Ah, qui est le fort? Ah, tu as vu ses épaules. René, René. Hein? René, viens. Et puis, les biceps. René. Mais que me voulez-vous? Et puis, oui. Voilà, chérie. Madame, je vous en prie. René. Chérie, dis-nous, qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie? Oui, tu dois être souvent riche. Oui, dis-nous que tu es riche. Voyons, c'est léger, on vous carré cherché. René. Mesdames, tout d'abord, je suis un vaillant chevalier. Et puis, je ne peux pas gagner ma vie. Enfin, si cela ne me servit à rien, puisque je suis mort. Oui, c'est ça. René, merde! Mais qu'est-ce que tu veux? Mon cher, mais tu sais très bien ce que je veux. Un peu de ta potion magique. Bien, chérie, tu vas ressusciter avec nous. Un peu de potion magique, un peu de caresse magique. Mais avant tout, beaucoup de musique magique. Et tu sentiras de nouveau la vie pour toi. Quand je suis triste et madame est partie, la seule solution, c'est le whisky.
bord de la Seine. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Adieu, adieu Roland, adieu Nanchère.
en penses? De tout ça. C'est fini. Je sais pas. Peut-être que c'est meilleur. Peut-être pas. Allez, j'offre à boire. Allez, viens. Oh, yeah.